Bonsoir à toutes et à toutes, on se retrouve du coup pour l'épisode 13 sur Alien Isolation. Après beaucoup de choses, et je vous propose d'aller voir les épisodes précédents si vous n'avez pas vu les épisodes précédents tout simplement, pour mieux comprendre les choses. Et on va se faire un gros... Attends, on va le calmer lui parce que sinon on va pas pouvoir... Hop, ça dégage. Voilà. Ça part, hein. Fallait pas me chercher. Et du coup, on devait donc du coup essayer d'arrêter la quarantaine, enfin de faire en sorte en tout cas de parler à Apollo pour que les robots arrêtent d'être fous, parce que finalement les robots déjà commençaient à attaquer, et finalement les robots étaient carrément en train de s'en prendre à tout le monde, même aux civils. Et on devait parler à Apollo, puis finalement on apprend que Sexton a été racheté par la Newton Company. Je sais plus où est-ce que ça. Et que du coup ils ont mis un confinement, une quarantaine, et qu'on peut pas la lever parce qu'en gros en fait ils veulent garder la bestiole en vie, sauf qu'en fait la bestiole n'est plus là. Sauf que nous on a dit à Apollo la bestiole n'est plus là, et Apollo a été n'a pas voulu. Apollo veut par contre qu'on l'aide. Enfin il a un problème en tout cas au réacteur. Et donc du coup on essaie de l'aider pour voir ensuite si il voudra bien lever le confinement. Et arrêter de faire en sorte que les robots nous tuent tous un par un. Parce que c'est quand même débile, hein. On tue la bestiole et finalement. C'est les robots qui veulent notre mort. Alors, je crois qu'il y a un système, je crois qu'il faut les faire dans un certain ordre. Pourquoi là il y a des points. D'accord, c'est ça et c'est ça. D'accord, et là-bas il y a un autre truc encore. Alimenter atelier. C'est vert. Ah non, d'accord, il a déjà été fait. Ouais, c'est d'accord, celui qu'on a fait juste avant, et du coup il faut terminer par celui qui est là. Voilà, en fait ouais, ça, il y avait un sens. Ah bah non, il a été fait aussi. Bah non, bah bye bad, alors du coup on les a fait alors. Bah c'est bon. Du coup là on peut activer le courant ici, non? Yep, activer le treuil. Ok, bah j'ai fait le truc sans vouloir, je sais pas s'il y avait un sens spécifique ou quoi, mais bon. On l'a fait juste tous les activer un par un, j'ai pas trop compris. Ah oui, d'accord. Hop. Allons-y. Alors. Hop. Toujours mieux. Non. De thé. Ouais, et du coup tu te demandes comment ça va terminer. Et moi qui pensais que du coup le jeu allait être fini quasiment, enfin que ça allait se terminer quoi, une fois qu'on avait balancé la lienne, qu'on a réussi à survivre, moi je pensais tout que ça allait être en mode bon bah on fait la fête et puis... Puis du coup après elle tourne la page, j'aime bien. Même si elle a pas pu savoir du coup ce qui s'est passé exactement sur le Nostromo, mais... ouais. Bah non du coup. Même pas que l'alien tu vois, il y a même les robots. Et Taylor et l'autre. Si ça se trouve, on... Ah d'accord, on revient là. Et si ça se trouve... Ok, il y a une save. Si ça se trouve, la boîte noire qu'ils ont donnée, c'était même pas la bonne. Si ça se trouve, c'est une fausse boîte noire qu'ils ont passée. Et ils ont gardé la boîte noire pour ensuite la revendre. J'imaginais un truc comme ça. C'est mon dernier taser. Ah, ça sert à rien de la fermer la porte, chacal. Terrible. Je dois aller où? Déverrouiller le store. Mmh.
Ah oui, là. Ah, ok. Hop, je prends pas. Non, je veux pas mettre de la musique. Oh, puis si, tiens. Oh non, ils sont protégés. Non. Non, je ne veux pas arrêter. Oh non. Je sais pas à quoi ça sert, ça. On n'a pas essayé. En fait, avec du coup, en fait, eux, je sais pas si on peut. Enfin, là, j'avais un truc pour exploser, mais. Ah, il m'a tué! J'avais plus de vie, mince, j'avais peut-être plus de vie. Oh zut. Attends, parce que. Ok, on reprend là. Attends, parce que du coup, est-ce qu'on a un moyen de les tuer finalement? La bombe tuée est un engin explosif qui explose dans l'impact. Elle est mortelle pour les humains, les synthétiques non assurés à proximité. Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord, c'est même pas sûr que ça a marché. Et le problème, c'est que les bombes IEM, mince, ça sert à rien. Les cocktails Molotov, ça sert à rien. On n'a pas d'armes. Le taser, il sert à rien. Bah là, ça, à part la bombe tuyau, mais. Oh non! Pff. Oh non! J'en ai marre, j'en ai marre. Mais ça, c'est genre trop sale parce que du coup, on peut genre juste. Rien faire finalement. Ok. Alors. On reconnaît toujours un lambda. Ça servait à rien, ok. Hein. Pff, ça m'énerve. Je vais vous attraper. Ouais, forcément. Ah bah le cocktail, ça marche plutôt bien finalement. Ça dégage, hein. Comment ils sont trop relous en vrai ceux-là, là, les protéger là. Et upgrade, on va dire c'est comme ça. Des synthétiques là, pff, lourd. Hein. Surtout qu'on a même pas d'armes quoi, genre c'est vraiment ça en plus. Hein. Oh. Ça peut faire mal, ça. Oh. C'est quel genre d'arme ça? Pistolet à clous. Pistolet à clous. Ah bah oui, pistolet à clous. C'est pas de l'arnaque ça. 68-32. Ok. 68-32. Elle est au réacteur, ok. Alors pistolet à clous, moi c'est pour moi c'est une arnaque. Parce que pistolet à clous, attaquer avec des clous synthétiques, pas sûr que ça leur fasse vraiment mal. Mais ok, pourquoi pas. On peut tester, hein. Après d'où c'est peut-être un super pistolet à clous. Tueur de synthétique qui aime bien. Alors, voyons voir. Ok, réacteur Axas. Nice. Est-ce qu'on a rien oublié? On a rien oublié. Allez hop.
devrait pas tarder à s'approcher du réacteur. Appeler l'ascenseur. Pourquoi s'il faudrait appeler l'ascenseur? Ça, il va y avoir du monde de l'autre côté, hein. Ah bah non. Finalement. Ok. Donc là, aller au réacteur. Apollo n'entend pas baisser le niveau d'alerte de confinement du danger à cause d'une présence inconnue dans le réacteur central. Ah oui, c'est ça, présence inconnue. J'ai fait une formation dans un réacteur, mais c'était dans une autre vie. Tu imagines si la deuxième bestiole, elle a eu le temps de se reproduire entre temps, pour un autre œuf, un autre parasite. Qu'est-ce que ça me fait flipper ce endroit-là en vrai? Réacteur. Tout l'endroit où il se passe toujours quelque chose. Il remontait le couloir comme si de rien n'était. Je me suis caché, mais quand j'ai relevé la tête, il était plus là. Je crois qu'il est passé par le sol ou par le plafond. Sébastien est un vrai gruyère, fait de conduits et de passages, de salles poussiéreuses où personne n'a mis les pieds depuis des lustres. Bien. Il pourrait être n'importe où. Ça doit être ça que les marshals ont pris en chasse. Ils auraient dû me mettre au courant. Chief, terminé. D'accord. Et du coup, on a récupéré nos armes, c'est plutôt stylé ça. Une save, allez. Ok. Ensuite. Je suis armé, hein. Pas le temps de niaiser, moi. Ah ouais. Ah ouais, nous on était arrivés là. Rien. Il y a des androïdes, des systèmes de contrôle centraux, leur routine habituelle. Il va falloir que j'explore l'étage inférieur. Il doit y avoir un ascenseur dans le coin. Si on se tenterait pas quand même de jouer un peu à coup de pistolet à coup de poing. Bon, on n'a pas récupéré du coup le lance-flamme. Oh, ouais, c'est dur quand même. Réacteur. On va vite aller voir ce qu'il y a ici, si on peut monter. Non, on peut pas. Très bien. C'était prévisible, mais il fallait tuer. Vache, c'est toi qui fait peur. On n'est même pas protégé. Ouais. Ouais. Deux fois la tête, j'espère.
Attends, mais mec, t'as cramé, tu t'es pris 2 pistolets à clou dans la tronche. Mais non, mais gros, mais attends, mais... Ouais, ok, d'accord, c'est des super androïdes de la mort qui tuent. Les mecs, je suis en échec contre coups de pistolet à clou dans la tronche, il meurt pas. Eh bah dis donc. C'est plus légal, là, ce stade-là, hein. Tu devrais avoir une appellation, Terminator. Ah, mais ça passe au travers, hein. Ouais, j'ai rien. Oh là là. Terrible, hein. Je sais pas où aller. C'est pareil, là je sais pas du tout. Ok, bah il faut que je t'aille là-bas. Allons-y. Réacteur maintenance. Donc, du coup, je sais pas si je paye spécifiquement des choses, mais ça m'a saoulé. Alors, allez, repos là comme ça, là, mais. Ça me saoule, hein. Sincèrement, ça me saoule. Non, mais. T'as beau faire quoi que ce soit. Tu te fais bolos quand même. Oula. Oh non. C'est pas vrai. Oh, c'est ça. Ricardo, ils sont tous ici. Tous les gens qui ont disparu. Tout le monde. Ils sont coincés dans une sorte de nid. Il y a des œufs. C'est comme une ferme. Merde. Je me rends là. Maintenant. Ah, c'est ça, y'a un nid. Terrible. Donc, en fait, c'est ça en fait, au final. Ah, je m'en doutais. Je me doutais qu'il y allait avoir un truc dans ce type là, genre qu'il allait avoir soit une autre bestiole qui était enfermée en bas, ou alors carrément une ferme. Et à la pompe du je sais pas combien d'œufs. Oh là là. Oh là là. Oh là là, tout ce qu'il y a. Terrible. Alors là, terrible. Oh, y a un... Oh non, il y en a une. Et faire attention face à eux. Flamme. Ah ouais, il va y avoir toutes les bestioles et tout qui vont être par terre. Porte. Ok. Même que vous sortez. Là, vache. Ah, c'est un carnage ici en fait, hein. Comment
comment ça a pu autant partir en vrille, quoi. Ah, je t'ai entendu arriver. T'avais rien pour te cacher, sérieux. Ok. Un monstre, ça c'est le problème. Oh, ils ont mis une save. Ils savent à quel point c'est compliqué. Ils le savent. Le courant dans le noyau central. Oh la vache! Tout se fait choper. Pauvre de même. Oh là là là, quelle ambiance! Quelle ambiance! Ça marche, mais ça marche. Écoute, il faut retourner, du coup, on a rien. Tu as tout ce qui te file. Ah, bah, disons, si j'ai su qu'on était aussi loin que ça de la fin. Allez, je suis juste là. J'ai cru qu'elle était descendue. Puis au final, non, elle vient tout descendre. Je vais mourir. Oh la vache, il m'a pas capté là? C'est un du miracle, hein. Ok.
qu'elle fait là. Elle arrive. Vache, une fois qu'elle revient. Ah non, d'accord. J'ai pris la mauvaise direction. Ok. Ok. Ouf. Pas facile cette phase. Elle était pas longue mais bien stressante. Avec les petites bestioles là qui sortent là. Ah les parasites là. Quelle horreur. Avec leurs pattes là. Ricardo, je peux détruire. Ah, t'as l'impression que c'est des araignées. Avec leurs petits. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les wagons du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc pour t'accrocher. Donc du coup on doit terminer de faire surcharger. Ah oui d'accord. Donc là sûrement qu'on va pouvoir revenir ici après. On va tout faire surcharger pour tout faire cramer. Faut que j'aille où là. Ça marche, un coup ça marche pas. C'est t'as besoin que c'est selon leur humeur et c'est pas le bon endroit.
Ok. Ok, donc on a fait deux avec de ce côté-là et pour faire deux autres. On va quand même rebalancer un côté de moteur, enfin je crois que ça. Dernier. Bah, donc là, je suppose que exactement voilà. Tu vas activer les deux derniers et ensuite activer, je pense, celui-ci. Et de là, on fait boum. Oui. Je veux qu'on calcule le nombre de fois où elle a failli mourir. Et c'est sûr, il y a encore cette fois-là, franchement. Ah merde. Ah! Voilà. Là, du coup, dis-moi tout. Ok. Je vais couper exactement les feux, mais très bien, c'est pas. Ok. Emergency exit. Ah, je sais pas dans quel état va s'en sortir Sébastopol, mais. Ah, incroyable, hein. Et si on s'en sort, mais franchement, là, je veux une médaille, hein. Allez, on grimpe. Elle est robot, mais sérieux, mais je comprends pas trop comment il faut aller les tuer. Parce que j'ai l'impression que des fois ça marche avec le feu, des fois ça n'a pas l'air de marcher. L'électricité, ça leur fait rien. Ah ok, et du coup voilà, on est là. Initialiser la purge avec Oba. Ricardo, je vais purger le mur. Ok. Tiens-moi.
totalement fusté. Un pathogène maintenu à Oméga. Détection de plusieurs organismes vivants non enregistrés sur Sébastopol. Ah bah là, je sais pas combien il y en a, mais... Il en reste encore dans la station. Je suis désolé, Ricardo. Allez, retourne au bureau du Marshal Rip. S'il te plaît. Ok, du coup, faut aller au truc. Il faut aller au bureau du Marshal, non? Ouais. Ça va être le bordel, hein. Je le sens là. Ça va être la guerre, hein. C'est où? Ouais, il faut aller à la salle des machines, mais je sais pas où c'est, moi. Vache, le nombre d'aliens qu'il y avait. Et ça prévoit d'être une belle fiesta, hein, c'est moi qui te le dis. Ok, j'ai pas pensé à save. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre disposition. Ouais. Appel à destination de la tour d'habitation Solomon. Allez hop. Je sais pas comment ça va se finir, mais là, Sébastopol, il est mort. Là, là tu peux plus t'en débarrasser, quoi. Le nombre de monstres qu'il y a. Impossible. Tout bonnement impossible. Oh là là. Sortir des conduits d'évacuation vers un pont. Je vais regarder là-haut. On a un peu de temps. Ouais, ouais, mais là, du coup, c'est marrant. Toujours. Niveau de sécurité trop élevé. Allez hop, et ça part hein. Vers la tour suivante. Oi oi oi. Quand tu pensais qu'il n'y en avait plus, ben il y en avait encore. Et pas qu'un peu hein. Là c'est toute la famille qui s'est ramenée. Ricardo, je suis dans le centre médical. T'es aux communications? J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde, pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, Rip.
Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est l'année Sidora. Marlow a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. Ok. Ok, on va aller voir ça. Ah oui, d'accord. Je l'avais déverrouillé en plus tout à l'heure, puis ça avait pas servi à grand chose. Ah, la dernière fois en tout cas. Soudeur ionique. Ok. Ah, il y a un mec qui a vécu ici. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tellus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. D'accord. Je crois que c'était un message du Nostromo, justement, un des premiers qu'on arrive enfin à avoir. Parce que je crois que c'est tout le temps bloqué. Finalement, on arrive enfin à en choper un. Tout était calculé depuis le début. Oh la vache. Attends, je vais juste voir. Ah ouais, c'était le quatrième. Ah ouais, c'est là où ça avait explosé. Wade, ça a vraiment foutu le bordel ici. Ah ouais. Et là, il y a quoi du coup? Parce que là, on n'avait pas pu aller, hein. Hop. Ça découpe. Hop. Oh la vache, oh j'ai eu peur. Oh, je me suis demandé ce que c'était. On dirait que la vérification du système s'est bien passée. Certains conduits doivent être déroutés, comme ils n'arrêtent pas de me le dire. On peut pas faire grand chose tant que le Nostromo est dans l'air. Parker parle déjà des feuilles d'émargement. Mais je sais que Ripley veut lui rappeler l'unité de charge secondaire. Pour le moment, je vais rester en dehors de ça. Dallas, capitaine du Nostromo. Un deuxième message, ah ouais, c'est le deuxième qu'on a. De la suite, c'est la fête. Oh, c'est fermé. Sale. Ok. B des ambulances, alors allons-y. Fermé, très bien.
Mais même eux ils sont améliorés quoi, sérieux. Ne faites pas ça. Ah là 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 là. Mais... un sprint à mon grand désespoir, j'ai vraiment eu peur que la bestiole se ramène, mais c'est passé. C'est horrible, je me sens tellement pas bien là. Tu peux tellement te faire prendre dans tous les sens là, par les robots, par l'alien et tout, tellement de moyens de se faire avoir. Aïe 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 aïe. Et là du coup on est bien sur le bonjour. Okay. Ok. Grenade avant que l'on te fait trop. Merde, mon synthoniseur d'accès est pas assez puissant. Ah mince. On a réussi, il doit bien y avoir un moyen. Il y a très jour le synthoniseur d'accès niveau 3. Bah, c'est... Parfait. Je fais comment? Ah, vilain. Yes, on accède à de nouvelles choses. Wouh, super. J'ai qu'à faire avec ça. Absolument pas. J'ai cru. Ok. Alors, allons ouvrir cette porte avec notre notre synthoniseur de niveau 3. Et ouais. Hop. Ok, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Hop. Ah ouais, ça se joue vraiment de peu à chaque fois. Ça va beaucoup plus vite avec le niveau 3. Les coordonnées sont déjà dans le système, appuie sur le bouton. Et toi? Ok. Ok. Ça part plutôt bien, j'ai l'impression. Malgré plus qu'il y en ait une qui soit accrochée avec nous. Bien. Oh là, ces phases d'empêche sont terribles. Hein. Ah, les dernières. Mais les robots me saoulent vraiment. C'est tellement relou. Ricardo, tu m'entends? À peine. Rip, tu te déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. Je sais pas encore pour combien de temps on en a. Regarde les systèmes d'énergie de l'Anessidora en ligne. Bon, je sais pas si on en a encore pour longtemps. Et ça a l'air de durer encore pas mal. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête ici pour cet épisode 12 ou 13. Je sais plus, j'ai un doute. On se retrouve du coup pour le prochain épisode pour leur, visiter un peu l'Anessidora et le remettre en route, en ligne, ouais, c'est ça. Et ah oui, d'accord, quelqu'un a ramené l'Anessidora dans l'espace de Sébastopol pour trouver de qui il s'agit. À mon avis, Taylor et l'autre là, dont j'ai plus le nom, ils sont dans le coup, hein. Pour moi,
On les a pas revus et à mon avis c'est eux qui ont ramené l'Anisidora. Et à mon avis ça va se terminer en cahuète. Je le sens bien. Et puis bah écoutez, on verra ça. Et puis moi je vous dis je vous propose de liker et de commenter. Et puis j'espère que vous avez apprécié cet épisode là. Et puis je vous dis ciao.